Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Jean-Sébastien Bellet, président de Trusteam Finance. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Jean-Sébastien, c'est vrai que Trusteam Finance est connu comme la maison de la satisfaction client à Paris. Et je crois que vous êtes quand même venu pousser un petit cri d'alarme, hein, parce que l'environnement change. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on voit des mouvements de concentration importants, à la fois par des CGP qui se regroupent ou qui sont rachetés par des cabinets plus gros, des sociétés de gestion qui fusionnent entre elles, qui se rapprochent. Donc un environnement qui est en train de changer et de se modifier complètement. Malheureusement, de notre côté, on est un petit peu perplexe parce qu'on n'entend jamais parler du client dans tous ces regroupements. Le mot client est un mot qui est laissé de côté. On a plutôt la sensation que beaucoup de fonds vont vers nos métiers pour y trouver de la rentabilité et trouver la construction de projets industriels. Mais on sait par ailleurs que les métiers de l'asset management, de la gestion de patrimoine, sont des métiers d'artisans. Et donc on se pose vraiment la question d'une justification au regard du client de ces grands mouvements et de cette modification de l'environnement. D'accord, parce que c'est ça qui vous laisse perplexe. Oui, Ça vous... parce que finalement, les CGP, les sociétés de gestion, on a pu prospérer parce que les banques avaient abandonné le client. Et on sait très bien tous qu'on existe parce que les banques ont arrêté de servir les clients et de leur offrir justement un service, un suivi sur la durée dont le client avait besoin. Aujourd'hui, finalement, tous ces groupes sont en train de se reconstruire pour essayer d'être le plus gros possible, le plus rentable possible. Et Et ça, c'est donc, pas quelque bien. part, ils retrouvent la même mentalité que ces mêmes banques qui leur ont permis de prospérer. D'accord. Donc, vous faites Donc, vraiment le parallèle. voilà, c'est vraiment aujourd'hui, tous ces groupes sont les banques de demain. Malheureusement, le client, dans ce monde digital dans lequel on est actuellement, dans ce monde de plus en plus agité, soit par les pandémies, soit par une numérisation qui est de plus en plus forte, les clients ont besoin pour leur épargne d'un contact, ils ont besoin de liens, ils ont besoin d'avoir la même personne sur toute la durée de vie de leur épargne, ils ont besoin d'un suivi sur mesure, et donc plus que jamais, la gestion de patrimoine, la gestion collective, l'asset management est un métier d'artisan. Alors, il faut le faire comme un artisan haut de gamme, quelque part le Hermès de l'asset management, mais ça doit rester un métier d'artisan. Vous avez reçu, entendu justement des déçus de ces gros cabinets? On commence à voir évidemment des gens qui sont déçus de ces mouvements, soit parce qu'ils y ont participé, et puis finalement ils s'aperçoivent que ce qui compte, c'est plus la rentabilité du client que la réponse à ses attentes, soit parce qu'ils ont été exclus de ces mouvements, et donc ils se retrouvent un petit peu orphelins, isolés au milieu. Donc moi j'ai envie de leur lancer un message à tous ces déçus, c'est rejoignez-nous, venez chez Trusteam, venez avec nous faire quelque part un métier en artisan, de façon sérieuse, pour le client et toujours orienté client. Toujours la satisfaction client au cœur. Je pense que le message sera bien passé. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, Merci. d'avoir été avec nous.